Vous ne priez jamais, Anton Ignatievitch ? Hier soir, l'infirmière de garde m'a demandé « Vous ne priez jamais, Anton Ignatievitch ?» Elle était sérieuse. Elle croyait que j'allais lui répondre sincèrement. Et je lui ai répondu, sans sourire, « Non, 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 Macha, jamais, mais si ça vous fait plaisir, vous pouvez me bénir. » Et toujours aussi sérieuse, elle a fait 3 signes de croix sur moi. J'ai été très heureux d'offrir une minute de joie à cette femme merveilleuse. Comme tous les gens libres et haut placés, vous ne faites pas attention aux subalternes, messieurs les experts. Mais nous, les prisonniers, les fous, nous sommes obligés de les voir de près et parfois nous faisons de surprenantes découvertes. Ainsi, il ne vous est sans doute pas venu à l'esprit que Masha, que vous chargez de surveiller les fous, est folle elle-même. Mais c'est comme ça. Si vous observez sa démarche, silencieuse, furtive, un peu craintive, mais prudente et agile, étonnamment, vous aurez l'impression qu'elle marche entre des lames invisibles. Scrutez son visage sans qu'elle s'en rende compte, qu'elle ne sache pas que vous êtes là. Quand vous arrivez, son visage devient sérieux, digne, mais elle affiche un sourire condescendant. Exactement la même expression que vous arborez en ce moment. Il arrive que mon regard lui fasse peur. Le regard d'un homme en pleine réflexion peut être étrange et effrayant, n'est-ce pas? Alors ses yeux s'écarquillent, ses pupilles se dilatent, et elle s'approche de moi sans bruit. Elle lève le bras et elle a un geste affectueux, inattendu. Elle me caresse les cheveux ou elle ajuste ma robe de chambre. Il m'arrive de la voir quand elle est seule et là, bizarrement, son visage est dépourvu de toute expression. Il est pâle et beau, mystérieux, comme le visage d'une morte. Et quand on lui crie « Masha », elle se retourne vivement et avec un sourire plein de tendresse, elle demande « Vous avez besoin de quelque chose ?» Masha ! Vous avez besoin de quelque chose ? Elle est toujours en train d'apporter, de reprendre quelque chose. Et quand elle n'a rien à faire, elle n'est pas à l'aise. Et elle ne fait jamais de bruit. Je ne l'ai jamais vue faire tomber, ni même heurter quoi que ce soit. Je l'ai longtemps considérée comme un être borné et stupide, né pour l'esclavage. Mais un incident m'a fait changer d'avis. Vous savez sans doute, on a dû vous le dire, que j'ai vécu ici un moment pénible, qui ne prouve rien, bien sûr, sinon ma fatigue. Et un affaiblissement passager. C'était avec une serviette. Évidemment, je suis plus fort qu'elle et j'aurais pu la tuer, car nous étions seuls. Et si elle avait crié ou si elle m'avait attrapé le bras. Mais elle n'a rien fait. Elle a juste dit, il ne faut pas mon poussin. Par la suite, j'ai souvent réfléchi à ce il ne faut pas et je ne comprends toujours pas la force étonnante qu'il renferme, bien que je la ressente. Ce ne sont pas les mots qui en eux-mêmes sont vides de sens. Cette force est ailleurs, dans les profondeurs inaccessibles de l'âme de Masha qui me sont étrangères. Elle sait quelque chose. Ouais. Elle sait, mais elle ne peut pas ou ne veut pas le dire.